Pour faire bref, ça c'était moi quand j'ai appris qu'il y avait un Rocket League mobile qui allait sortir et que j'avais vu les premières images. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche, et qui dit dimanche dit toute nouvelle vidéo découverte, et aujourd'hui, on part sur le tout nouveau Rocket League mobile. Mais tout d'abord, les petits potes, avant que la vidéo commence, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, parce que ça soutient, ça aide, et c'est que tu m'aimes, c'est que t'es amoureux de moi en fait. Non, je déconne. Bref, le petit like, le petit commentaire... Je commence à partir en couille dès le début de la vidéo quoi. Le petit commentaire pour me dire qu'est-ce que tu penses de ce Rocket League mobile et quel niveau tu es. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur Rocket League mobile ou bien même les prochaines vidéos tout simplement. Bref les petits potes, sans plus perdre de temps, on est parti, let's go sur du Rocket League mobile. Donc les petits potes, nous voilà sur Rocket League mobile. Bon, l'interface a mal l'air d'être cool. Il y a le mode entraînement, il y a le garage, donc là c'est là qu'on va pouvoir choisir son véhicule, les roues, patati patacoufin. Pour l'instant j'ai que ces roues. Elles sont drôles mais elles sont pas belles. Il y a la boutique d'objets. D'ailleurs j'ai un truc gratuit à récupérer. Je vais le récupérer. Let's go. Un camo. Bon, on va l'équiper. Celle-là équipée. What the fuck? C'est pas un camo que j'ai ramassé? Bon, c'est pas très grave. En tout cas, on l'a eu. Y a des voitures, voilà, que vous pouvez acheter. Donc ça, c'est comme le vrai Rocket League. La fumée. Assez sympa. Vraiment sympa. Elle est vraiment stylée. Donc là, du coup, c'est la boutique. Hein, vous pouvez acheter tout. Le Rocket Pass. Donc moi du coup j'ai déjà les 3 premiers paliers parce que j'ai déjà fait que 2 games histoire de avant de lancer la vidéo pour moins pouvoir découvrir 2-3 trucs avant et savoir de quoi je parle. Je suis déjà à palier 3, écoutez, je débloque une nouvelle voiture, je débloque la tête de pigeon, d'ailleurs qu'on va équiper, voilà parfait, elle est horriblement horrible mais ça passe. Et bien sûr du coup je débloque les bulles, et ben on va se les mettre. Parce qu'elles sont vraiment stylées et que même sur le Rocket PC, eh ben je les ai. Allez, au niveau des défis, il y a des défis, donc ça c'est cool, ça permet de récupérer des CP. De SP, autant pour moi. Donc là, gagner 5 parties en ligne en mode duel, gagner 20 parties en ligne, gagner 5 parties en mode panier. Donc c'est qu'il y a différents modes, j'ai pas encore fait le tour. On va pouvoir aller regarder. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, je suis bronze 1. En 1v1, je suis rien du tout en 2v2 et je suis rien du tout en 2v2 panier. On va se faire un petit 1v1 pour commencer et après on va se faire un petit truc de panier. Allez, c'est parti, let's go. La tête de pigeon, elle est vraiment, quand je dis horrible, c'est qu'elle est vraiment horrible. Ils auraient pas pu faire une plus petite tête ou je sais pas, tu vois. Bref, vas-y, on va regarder. Let's go. Ok. Oula, 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 oula. Ah, ça, c'était offert. C'était offert. J'ai fait de la D, je le reconnais. C'est pas pour ça qu'il faut m'en vouloir, hein, je vous le dis. Celui-ci, je le mets. Regardez bien. Non, en fait, je vais peut-être pas le mettre. En fait, je vais trop haut par rapport à la balle. Ok, je la dégage. Je vais la taper là-haut. Et ça rentre. Let's go. Allez, un partout. On égalise. On se sécurise au moins. Ok, petit lob. Ah non, je l'ai mis trop rose. Je la mets contre mon camp. Je suis vraiment un boulet. Mais bon. Vas-y. Pas grave, on va égaliser une nouvelle fois. Let's go.
Non, ça n'a pas suffi. Oh, 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 ouais, c'est bon. Lucarne. Let's go. Vas-y, mets-la moi à hauteur, mon pote. Tu passeras pas, c'est moi qui te le dis. Let's go. Let's go. 2-2. On égalise une nouvelle fois. 30 secondes. Let's go, mon pote. Je te jure, je vais pas te la mettre. Let's go. Oh, oh. Par contre, ça pue, ça. Ok. Non. Oh, ça rentre, ça, direct. Ça repart. Allez, let's go. Non, je l'ai loupé. Ok, prolongation. Balle en or, let's go. Ok, parfait, pour l'instant ça peut le faire. Ah, oh, j'ai essayé le rebond. Ça part derrière. Oh, non, 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 non. Oh, il s'est lui-même arrêté son but. Let's go. Alors, je vais recharger un peu. Et ça, ça rentre. Let's go. C'était offert par la maison. Bah oui. Ok, première win sur ce nouveau Rocket League Mobile. Ça fait trop plaisir. Let's go. Et du coup, on va pouvoir passer niveau 4. Let's go. Parfait. Et donc du coup, forcément, on réussit l'émission. Il y a eu 3 bits, 7 tirs et un arrêt. Waouh, beau gosse. Beau gosse. Ok. Rocket Pass, qu'est-ce que j'ai débloqué du coup? J'ai débloqué des nouvelles roues. Sont quand même un peu plus belles. On va pas se le cacher, elle est quand même un peu plus belle. Pour l'instant, j'ai l'impression que le pass, il est gratuit. Il n'y a pas de pass payant. Peut-être que ça va bientôt arriver. Peut-être pas. En tout cas, pour la première saison, le pass est totalement gratuit. Ça, c'est plutôt cool. Au niveau des modes de jeu, on va aller tenter le mode 2v2 en mode basket. On va voir ce que ça donne. Là, pour le coup, cette mécanique, je l'ai même pas utilisée sur PC. Donc là, c'est vraiment une découverte aussi pour moi, au niveau de la mécanique. Et on va voir ce que ça donne. Cette tête de pigeon, elle est vraiment horrible, mais bon. Allez, let's go. Du coup, on est en 2v2. J'ai jamais joué à 2 sur ce nouveau Rocket League. Donc, c'est pas très grave. Ok, déjà, ça commence bien. Ok. Pour l'instant, le collègue, il est en train de carrer. Ah, je l'ai mal tapé. Bon, ça rentre, ça. Oh, lui-même, il s'est arrêté lui-même son propre but. Mais c'est quoi, c'est débile. Let's go. 2-0, pour l'instant c'est lui qui carry. J'aime pas du tout ça, je suis en train de prendre la honte de ma vie. Mais bon, c'est pas très grave. Oula, oula. Il l'a encore mis ou... Il l'a encore mis, il est en train de me mettre la honte de ma vie. Mais bon, c'est pas très grave. Je me suis pris clairement la honte de ma vie. Mais bon, moi, j'ai pu voir ce que ça donnait. Et du coup, on va passer niveau 5. Let's go. Ouais, bah, pas décisif. Une seule, hein. J'ai tiré 0 fois, j'ai marqué 0 fois, mais ça se passera bien. Allez, Rocket Pass, du coup, on a gagné. Mais du coup, l'avatar œuf. On va se l'équiper, on va faire comme tout le monde. L'œuf cool. Bah, écoutez, les petits potes, si vous voulez m'ajouter, n'hésitez pas. C'est PsyTragYT, comme vous pouvez le voir tout là-haut, là-bas. PsyTrag en majuscule YT. N'hésitez pas à m'ajouter si on peut s'ajouter. C'est avec plaisir.
Ouais, bah, vous pouvez me demander. Vous pouvez m'ajouter. Ajouter un ami épique. Ok, bon, les petits potes, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo découverte vous aura plu. Le jeu, pour l'instant, il m'a l'air d'être simple d'utilisation, simple d'interface. Il n'y a pas 40 000 trucs à faire sur le jeu, ne serait-ce que faire du pack et gagner et mettre des buts. C'est un jeu qui est... J'ai du mal encore à parler. J'ai eu du mal à parler en début de vidéo. Maintenant, j'ai du mal à parler en fin de vidéo. Ça commence à devenir très compliqué aujourd'hui. Le jeu, il m'a l'air d'être cool. C'est vrai que j'ai un gros a priori sur la 2D. Mais d'un côté, ça reste un jeu mobile. C'est pas plus mal que ça se différencie de la licence de base. Bref, moi, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous fais de plein de gros bisous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ce Rocket League mobile ou bien même sur un tout nouveau jeu mobile. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée. Je sais toujours pas pourquoi je dis ça. C'était Psytrag. Bye bye.